aussi, on va essayer de monter un peu à 3, plus de 3 millions. Ah, j'hésite à prêter un Mouzou, parce que c'est vu que j'ai Shadley et je sais plus qui. 3 millions 5. Parfait! Parfait, parfait. Amuzu, ça pourrait être intéressant. Ah, c'est un transfert? Non, alors non. Je ne veux pas qu'il parte. Mais à la limite, ouais, je pourrais mettre Amuzu. Qu'est-ce qu'ils me disent, les joueurs? Colassin, prête exactement ce que tu as besoin. On est sur la même longueur d'onde. Doral, merci. La même longueur d'onde. KMB, la même longueur d'onde. Merci, Vince. Tout le plaisir est pour moi. Tac tac tac. Parce que sur le flanc gauche, j'ai Piaka. Ouais, peut-être. Ouais, je vais peut-être mettre Amuzu après. J'avais pas envie, mais je pense que ce sera la meilleure chose à faire. Tant pis. Si ça lui permet de jouer, moi, ça me va. Allez, il est où, Francis? Francis! Francis. Lise de près. Voilà. Et enfin, enfin lancer le premier match. Wouhouh ! Ah, est-ce qu'on a notre... Non, ils ont toujours pas mis le troisième maillot. C'est un scandale, monsieur Yé. C'est un scandale. Donc, Doku sur le flanc droit, vu que j'ai pas le choix, vu que je n'ai plus Alexis. Lawrence. On a deux Lawrence maintenant. Truc de fou. Compagnie Lucassen. On va partir là-dessus. On va partir là-dessus. C'est une belle équipe. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. On s'en va. On va s'en fichtre. Qu'est-ce que tu penses de mon équipe? J'ai fait quelques petits transferts de jeunes, comme tu as vu. Hop là. Bon, on va laisser... Est-ce que je laisse l'intro? Allez, peut-être la première. Salut tout le monde, bienvenue à Santiago Bernabéu, ici à Madrid. Ouh, un match que nous allons au Barça. La Coupe Européenne Internationale qui s'ouvre aujourd'hui pour ces deux clubs avec cette première rencontre de groupe. Ah merde, direct. On devrait assister à, a priori, un bon match, hein, Pierre? Oui, c'est le premier match de la pré-saison. C'est le moment de commencer à travailler les automatismes entre les joueurs, de jauger aussi un peu l'état de forme des uns et des autres. En fait, ah, il peut donner l'avantage à son équipe, là. Mais alors, le gardien qui peut facilement s'emparer du ballon. Quelle occasion pour Di Matta. L'équipe, alignée par l'entraîneur. Et on découvre que l'entraîneur a retenu un 4 pour cette pénalty, monsieur l'arbitre. Avec un attaquant axial et deux joueurs sur les côtés qui se transforment en milieu de. Ça va, bah j'aime bien que tu dises qu'Anderlecht, ça va. Ça fait plaisir. Enfin, tu te rends compte de l'évidence. Le centre en retrait, attention. Ah, c'est contré. Lorenz. Bien. Très belle. Très belle. C'est vraiment triste. Il essaye de trouver la faille. Il essaye d'étirer le jeu en passant par les côtés. Ici, ça vaut totalement le Real de Madrid. Il faut trouver une option disponible. Oh, il y est. Oui. Et le but. Nani Di Matta. Une rencontre qui démarre à fond. C'est un vrai coup dur pour l'autre équipe. En gros, c'est comme si elle commençait son match avec un but de retard. Ah, belle tête, hein, Pierre. Superbe, il met exactement le ballon où il a envie de le mettre. Très belle détente en plus. Pouk. Pouk. Le but sous un autre angle. Di Matta, comme dirait un autre youtubeur. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Un bon ballon d'attaque. Et il envoie le ballon très loin. Harry. Allez, Doku. Ah non, c'est Murillo qui suivait. Quelqu'un pour l'aider. Non. Le ballon est perdu pour tout le monde là. J'ai hâte de voir le nouveau moteur pour FIFA 21 de la nouvelle génération. Michael S5 Mico. Et série X.
L'arbitre qui laisse l'avantage, c'est bien vu. Ah oui, comme une faute. Donc, et sur le flanc gauche. Dizzy, Dizzy. Qui touche le ballon en dernier. Corner donc. Quoi? Mais il a pas touché. Je demande le VAR. Il cherche le point de penalty. Finalement le gardien qui repousse. Adrien très belle. Adrien. Ça c'est vraiment un des joueurs que je ne comprends pas. Sa façon d'endormir avec le trait. Traverser partenaire. Ça me dégoûte. Qui la touche et c'est un corner. Adrien, si tu regardes cette vidéo, je te soutiens. De faire la différence pour le moment, on le revoit. Se retrouve en situation idéale, une tête plein axe sur laquelle le gardien est battu. Ah, il est bien parti. Ah, c'est vrai corner. Que j'ai pas mis qui tirait les francs, etc. C'est pas trop grave. Il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. Hein ? C'est hors-jeu. C'est parce qu'il est roux, c'est ça ? Ouais, il y a pas hors-jeu. Oh, il y a des solutions, il y a danger. Le ballon rendu carrément à l'adversaire. Qu'est-ce qu'il va faire? Ouais, la bonne part bref, du gardien easy, qui conserve easy, bien ce ballon easy. Dans les bras. Mais non, c'était... Oula. Solution. Geste, oh, l'arrêt qui oh, compense merci. L'erreur commise quelques secondes. Bon, allez, concentrez-vous les gars, parce que depuis le but, quand même, c'est vraiment à la fête. Albert Sambil Lokonga. Oui. Cette coupe européenne internationale qui est le dernier acte de cette phase de préparation. Ouais, c'est bien parce que ça permet aux joueurs de vivre ensemble une compétition avec moins de pression. Et pour le reste de la saison, ça reste quand même une compétition. Vincent Compagnie pour dégager. Eh, moi aussi, je peux transférer un hasard hein, au cas où. Il n'y a peut-être moyen y a aucun problème. Moi, je te transfère attention. Un hasard sans souci. Ouais, c'est trop tard. Tout le monde est revenu à son poste. On cherche la faille dans la défense adverse. Ouais, le centre qui ah, ne pas grand-chose. Attention, ça peut être dangereux. Eh hey je l'ai vu jouer, moi. Prout, il est pas nul, Kylian. Qui se centre. C'est pas le meilleur des trois, mais... Ouais, c'est pour personne. Je crois que c'était dans FIFA 19 où j'avais réussi à transférer Thorgan. Bah là, dans ma carrière précédente, dans FIFA 20, deuxième ouais, saison, j'avais Dries Mertens et Jordan Lukaku hein, qui étaient revenus. On cherche des solutions là. Il progresse. Oh, c'est dangereux ce centre tendu. Oh, oh allez, Sambi, ouais, c'est quoi ce tir de tapette? Bien joué le gardien. Je m'attendais à mieux de ta part. Franchement. Attention à ce corner. Oh, la allez. Surtout quel arrêt, une action splendide. Faut trouver un. Contrôle tir et voilà. Et le but. Et voilà. Le but qui permet à cette équipe de compter. C'est Lorenz. Deux buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il faut surtout ah oui, pas oui, se relâcher non, maintenant. C'est une certitude. Après, dire qu'il est les nul. Les défenseurs ne sont pas irréprochables sur cette pas la même chose. Mais de toute façon, ça aurait été très compliqué de l'empêcher de filer au but. Quel numéro il leur a fait là. Tac. Entre James Lawrence, Kemar Roof et Kemar Lawrence, maintenant, on est bien. On est bien. Ça fait donc deux buts d'écart maintenant. Deux tiens, j'ai pas vu Vranius. Tiens, c'est vrai, je l'ai pas vu. Mais il est à nous. Oh merde, je vais quand même pas devoir le transférer. C'est bien, c'est moi qui ai mal vu. Je vais regarder. Albert Sambil Lokonga. Bah oui. Après, voilà, Thorgan fait petit à petit son trou. Hein. Mais il est bien à Dortmund. Il est très bien à Dortmund. Le ballon est perdu. Ballon qui est sorti en touche. Tiens, tu viens voir L4 cet après-midi? Albert Sambil Lokonga. Je change, je passe du Coca-Lite, mais... Je passe du Coca-Lite, mais... Il a vu ses coéquipiers. Et il envoie le ballon très loin. Oh, le centre tendu dans la surface. Imata. Dani Rabat. Tu vas stream? Tu streamais quoi encore hier? Je sais plus maintenant. Je sais que ça m'avait intéressé quand j'ai vu le titre, mais... J'ai un trou.
Albert Sambil. Sea of Solitude, c'est ça, ouais. Il continue sa progression. Je l'ai acheté en qui était en promo, je l'ai pas lancé, faut que je me le fasse aussi. Je le ferai aussi sûrement en stream. Ouais, pour l'instant, faut que j'avance dans mon Sniper Ghost Warrior. Attention, oui, il peut centrer là. Est... J'ai pas rejoué depuis mon stream d'avant hier. Il est pas. Il a l'air déjà meilleur que les deux autres, mais les checkpoints. C'est... Ah, allez, Kessambi! Ouais, bonne prise de balle du gardien. 3 minutes, ce sera la durée du temps additionnel. Et normalement, si les rumeurs sont vraies, Kingdom Hearts sur Xbox la semaine prochaine. Enfin, ou dans 2 semaines. Poursuit son action. Attention, il peut centrer. Ça va streamer. Je vais enfin pouvoir les refaire sur Xbox. J'espère qu'il y aura une version boîte. Ouais, le pire, c'est que les jeux que j'attends le plus cette année, début d'année, sont des jeux que j'ai déjà. C'est les Kingdom Hearts sur Xbox et les Yakuza sur Xbox. Allez, il a de la place. Ça me tue. Et ce ballon qui est perdu. Bien, Brio. Bon, première mi-temps plutôt tranquille pour Anderlecht, 2-0. Domination assez nette. Bah, parce que je préfère jouer sur Xbox. J'ai vraiment un gros problème avec Sony. Mais surtout, bah, tu as vu Death Stranding, hein, où je sais pas si tu te souviens, mais je sais pas streamer sur la PS4. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Ça se coupe, c'est pixelisé. J'ai la même config PS4 Xbox One. Et la Xbox One, tu vois bien, je suis en 1080p sans problème. Et la PS4 n'est pas capable c'est de streamer hein, du 200p. Du 200p. Donc, il y a beaucoup d'espace devant. Putain, je me suis trompé de joueur. Et Henrik. Ça peut revenir. Ah, on sera à la 60e minute. Je ferai 2-3 changements. Oui, je sais, mais il y en a qui ont pas de soucis. Moi, Death Stranding, ça a été impossible à streamer. J'ai essayé plusieurs fois, on me l'a demandé, et même mon avis, j'ai dû le donner au début de Terminator. Bien sûr. Oui, attention. Et voilà le troisième. Ça y est. Succession de passes très précise après le duel face au gardien. Ouais, fais ça, pète-toi la nuque. Oui, et Kalik aussi, stream via PS4, il a pas de soucis. Moi, je n'y arrive pas. On revoit ce but qui leur fait le plus grand bien. Oui, c'est surtout un but qui leur permet d'accroître leur avance. Maintenant, ils peuvent se contenter de gérer le match. I don't know why. Ah, le match qui a clairement tourné. I can't find my baby. Après maintenant j'ai un nouveau routeur wifi, peut-être que ça ira un peu mieux. Oh, c'est bien donné, ça. Liari ! Ah, pourquoi j'ai tapé en force ? Ah ! Bon attention, c'est pas la parade du gardien. Oh allez, c'est pas vrai. Liari, quel maladroit. Dernière occasion qu'elle alimente des statistiques sans appel à l'image du score d'ailleurs. Liari, quel maladroit. Et l'entraîneur qui va procéder à deux changements simultanés. Adrien Trebel. Lorenz. Ah, il faut trouver une ouverture. Qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? C'est une mauvaise passe et c'est cadeau. Il essaye de trouver la faille. Ouais, vas-y, Doku. Pour un équipier au second poteau. Oh, Chadli. Le cadre assez large. Bon, allez, quelques petits changements. Alors, on va faire du monté du jeune. Pour faire tester. Tac, tac, tac. Il y a ton copain, t'as vu ? De l'équipe belge que tu aimais tellement. C'est un match amical, mais est-ce que j'ai le droit de faire plus de 3 changements ? Bon, on va tester, on va voir. Oui, je peux faire plus de 3 changements, parfait. Voilà, on va garder Vlap et Nasri pour plus tard. Comment ? Je présume que je ferai monter Vlap à la place comme, de un peu comme il l'a pu, Yari. Il était bien pris au marquage. Je crois qu'on va assister à un changement, Pierre, maintenant. À charge maintenant pour le remplaçant de trouver le bon rythme dans ce match.
Schlink. Ça roule. À tout à l'heure. Virginio, mais où est Mario? Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. On se prend, hey. Et il a du soutien autour allez, de lui, Kana. C'est bien. Non, Kobo. Ah, pourquoi Kana t'es venu? Je voulais que tu restes dans le centre. Oh, ce Villar. Le but à l'instant, mais ils sont encore loin, hein, tableau d'affichage. Ouais, c'est la faute de Kana, je voulais qu'il reste au centre. Le buteur a bien fait de poursuivre l'action, il s'est retrouvé au bon endroit. Après, le... il n'y a pas de chance, il arrête la balle et après il retape dedans pour qu'il retourne dans les bras, enfin dans les pieds de Mosquera. Ça fait maintenant 3 buts à 1 au tableau d'affichage. C'est pas grave. Oh, joli. De toute botte. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ouf! Le gardien qui repousse, il y a toujours danger! Oh, allez! Il y avait pénalty, faute, carte rouge, monsieur l'arbitre. Francis. Kemar Roof, il cherche une solution. Un ballon qui est rendu au camp adverse. Non, elle est interceptée cette passe. Allez, Jérémy. Allez, mais t'es plus rapide que ça d'habitude, Jérémy. Attention, oula. Récupérer ce ballon. Oula. Ah, il a fait faute, bien sûr, coup franc. Ah, t'es pas violent là. Tiens, t'es pas violent. T'es pas. Ballon rendu à l'adversaire. Ce sera une touche. Allez, on va faire monter Michel Vlap à la place de Yari. Ça va lui donner un peu du temps de jeu. Non, je vous ai dit Nasri, je l'ai mis parce qu'il est il a un haut niveau. Sous la pression de l'adversaire, il reste exactement 20 minutes à jouer. Kemar Roof. Il a bien donné ce ballon, mais le danger c'est bien tenté, c'est bien tenté. L'entraîneur qui décide de le faire sortir. Je trouve qu'il a été bon hein, dans ce match. Disponible pour ses coéquipiers. Il a contribué au bon match que son équipe est en train de réaliser. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Morillo. Est-ce qu'il va centrer? Non, pas d'amère. Il faut trouver une option disponible. Oh, l'énorme plongeon! Ouh, Sambi! Ouh, c'était joli! Ouais, il a pu faire admirer son coup d'œil, c'est vrai. Mais c'était joli! Bel arrêt, belle détente du gardien. Ouais, corner bien tiré au niveau du point de pénalty. Alors, le ballon qui est dégagé. Allez, peut-être un bon ballon dans la surface. Pour personne! Pas pour le défenseur adverse, quoi. Il cherche des solutions là. Ah, il a sorti les muscles. Ouais, obstruction. Obstruction, monsieur l'arbitre. Non. La faute, non. Carton non. Peut-être. Oh, allez. Ça, c'est exactement donc, comme le. Carton jaune, hein. Oula, attention, l'arbitre. Le soi-disant penalty hier contre la Gantoise. Kemar Roof. Pour Michel. Allez, Michel, chante avec nous. Roof, Kemar. Et voilà. Kemar. T'es sûr, il a dû en mettre des plus difficiles. Celui-là était vraiment très simple. Cette équipe a dominé une bonne partie du match et ça commence vraiment à se refléter au tableau d'affichage. Désormais, l'écart est très très net. Il semble prendre un avantage quasi décisif. Pam, 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 pam. Ouais, aussi un truc de mal. Après, comme je le dis, c'est pas un jeu de management. Ne pas pouvoir demander les transferts fin de saison. C'est une mauvaise passe et c'est cadeau. Par exemple, oui, les deux, trois jeunes là, ils ont transféré fin de saison, par exemple. Kemar Roof. Ah, la passe en profondeur, attention.
Oh, c'est repoussé. Oh, par le poteau. Encore un poteau. Ça va devenir compliqué pour lui là. Encore un poteau. C'est mon poteau. Le poteau. C'est mon poteau. On va voir si ça change quelque chose au score ou à la physionomie du match. Chèque de Courrée. Lozinho. Ils vont bénéficier de la touche. Dani Rabat. La passe est interceptée. Ah oui, je n'ai pas dit, hein, mon objectif évidemment, c'est le titre, d'aller le plus loin en Europa League. Et d'avoir une équipe, c'est la Belgique, c'est le mieux, mais avoir une équipe. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Équipe internationale pour l'Euro. Excellente intervention défensive. On verra bien les offres, le doigt est ardué. Désolé. On cherche une solution. Okazaki. Et ce centre qui est contré. Bien, Mutsu. L'action qui se poursuit. Alors que le quatrième arbitre indique qu'il y aura 3 minutes de temps additionnel. Oh, il a été dévié. J'en ai mis 4 et toujours bien placé défensivement. Il ne maîtrise pas le ballon, il le perd. Il glisse ce ballon en profondeur. Il n'y avait pas hors-jeu. Non. Non. Ça met bien ce ballon, il attend du soutien. Bah allez, premier match 4-1. C'est terminé, le coup de sifflet final. On est pas mal. C'est pas mal. Le coup de sifflet final, c'était un peu de libération hein, pour des joueurs qui sont passés, mais alors complètement à travers. Ils sont surtout tombés sur beaucoup plus fort qu'eux, mais c'est vrai que maintenant, maintenant que c'est terminé, bah, ils vont pouvoir oublier vite et préparer la prochaine rencontre. Ah là là. Ils devront quitter ce magnifique stade du Real. Ah. Les matchs plutôt bons. Tout commence bien. Je vais juste faire une petite modification. Oui, qu'est-ce qui lui arrive? Alors, en ultra offensif, on va passer en 4-4-2. À plat. Comme ça, c'est très bien. Comme ça, si on doit un petit peu faire bouger les choses. Bon, qu'est-ce qui se passe, Francis? Oh, le, qu'est-ce que tu fous? C'est un problème de traduction, c'est pas possible. Je n'ai pas vraiment apprécié mon passage ici. Nien. Sérieux quoi. À nouveau. Oh. Roux attise les convoitises. On avait été à 3 millions 5. On va remonter à 3 millions 5. Ah oui, j'avais compris. Moi je propose plutôt 3 millions 5. Dans ce cas, je veux 15% sur la revente. Sur la revente. Non ? Je veux bien baisser à 4 3 400, mais. Je baisserai. Très bien. De toute façon, il est déjà suivi par quelqu'un d'autre. Donc. Je m'en fiche. La Sampdoria. Je crois qu'en plus, je joue. Racing Club. Why not? Je crois qu'en plus je suis avec eux dans. En Europa. Je vais devoir regarder. Alors. Europa League.
Et je suis avec la Sampdoria, c'est une coïncidence de fou. Faire une petite save, ça ne mange pas de gros pain. Ouais, bleu, c'est bien. J'ai envie de faire jouer Kana. J'ai envie de faire jouer mes jeunes. Bon, un Mutsu, vu qu'il est sur le départ. Je sais pas. Sardella. Est-ce que j'avais mis Sardella en prêt? Parce que j'ai Vandenborg quand même en attendant. Rappelez-moi d'aller vérifier si j'ai mis Sardella en prêt. Ah ben, je... Non mais non, je vais pas remettre... On va peut-être mettre Mboyo à la place de Nasri. Alors, on va faire ça comme ça. C'est un bon match, c'est un bon test avant le... la Coupe d'Europe. Ah, j'ai pas regardé où on jouait. Oups. Salut à toutes et à tous, bienvenue à Valence en Espagne dans ce stade de Mestalla. Mestalla. Et ce moment, je vais le vivre en compagnie de Pierre Ménès, bien sûr. La suite de ce tournoi d'avant-saison avec la deuxième journée de la phase de groupe. La Sampdoria contre Anderlecht. Oui, voilà deux équipes. Anderlecht, qui vont Anderlecht, chercher Anderlecht champion. La victoire, malgré allez. Tout, même si c'est un tournoi de préparation, c'est toujours bien de gagner. Oh, allez, Dimata. De soulever le trophée qui va avec et de prendre confiance. Là, il l'a, oui. Et il gagne quelques mètres. Contrôle. Ah, ben là, allez, Doku. L'adversaire s'est interposé. Un danger qui s'écarte avec ce long dégagement. Un ballon pour l'adversaire. La frappe. Et c'est goal. Non. Ouah, Dimata. Pour rassurer tout le monde. Ouais, c'était pas la peine de forcer là-dessus, mais bon, faut y aller quand même. Bien tiré. Voilà le gardien qui fait du bien à sa défense hein, sur ce corner. Je n'ai encore jamais marqué sur coup franc. Alors que dans les anciens FIFA, j'arrive à marquer. La dernière très belle. On va dire. D'une belle façon, je n'ai toujours rien marqué. Oh, il se fait passer. Allez, le centre à venir. Pour son partenaire au premier poteau. Le gardien qui repousse. Il y a toujours danger. À cette rencontre qu'on pourrait également résumer un duel entre deux grands joueurs qui vont se retrouver face à face. Deux éléments clés de leur équipe. On attend une attaque dans la réalité est toujours blessé. Hors jeu. Ouais, le coup de sifflet de l'arbitre, ouais, il y avait hors jeu. Oui, c'est inquiétant. Hein. Ça va faire bientôt. Ça fait un an qu'il est blessé. Nous reverrons-nous un jour, ça, c'est une bonne question. La variante très belle. Dans la surface. Oh, c'est dévié. Heureusement, si oh, allez, oh. Ouais, on a bien l'impression. Ouh, le quoi, cafouillage défensif. Légèrement offensif aussi. Lui, je vous l'aime. Allez, pour qui ce centre? C'est bien défendu. Allez, Dimata, pourquoi t'as pas suivi le mouvement? Comment on cherche la faille dans la défense adverse. Le centre qui passe derrière plusieurs partenaires. Le travail défensif. Ouais. Il faut trouver une option disponible. Oui. Oh, que c'est bien donné ça. On cherche une solution. Heureusement qu'il a été. Hors jeu. Mais non. Mais il y avait hors jeu. Mais non. Mais si. Aïe, mon câble. Changer. Ballon rendu à l'adversaire. Il progresse vers le but. Ouais, bien pris la défense. Ce ballon qui sort en touche. Pour le public. Bon, pour l'instant, match Marcolé.
l'avantage Alex Ferrari du club visiteur. Dodo. Oh, joli. Quagliarella